Can I be your superhero? On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo et cette toute nouvelle série. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de carrières manager sur ma chaîne YouTube, mais cette fois-ci, on va faire une carrière de joueur. On va créer notre pro, bien évidemment, pour commencer cette carrière. Bon, on va prendre lui en base, mais on va changer quand même prénom. Du coup, on va mettre le Kim Gosta en nom de famille. Junior pseudo, je sais pas si je peux le mettre en entier, mais je peux mettre Kingo stagiaire. Non, commentaire, mais je crois pas qu'ils aient junior. Donc s'ils ont pas junior, je mettrai Ibra. Je mettrai Ibra juste pour voilà, mettre Julius vu que mon prénom ça y ressemble en tout cas. Alors, Kingo Stagiaire, du coup. Kingo Stagiaire dans le maillot. Le numéro 64, bien évidemment. Tac, 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 tac. On va mettre le Portugal en pays. Le Portugal en pays. En 2000, le 2 janvier. Ce qui est ma vraie date de naissance. Alors je ne fais pas 1m69 ni 60, je fais 1m88 pour 113. Mais je pense que ça va être un peu compliqué comme ça, donc on va un peu tricher. On va dire qu'on fait du 86 kg. On va tricher un peu. Attaquant buteur, meilleur pied le droit, bien évidemment. La tête, ok, c'est là que ça va changer. Donc la forme du visage, etc. Je m'en fous, juste changer les jouets, la barbe. Très clairement. Moi, c'est les dégradés. Voilà, petit dégradé. Tahlib. Et bah, la pilosité faciale, comme vous pouvez le voir à la caméra, un peu plus. Voilà. Alors, maillot, élasticité, non rentré, j'aime pas ça. Chaussures, quand je joue au foot encore, je jouais sous Adidas. Je joue avec pas avec des Predators, moi c'était les Pure Control, mais ils ont pas de paire de Pure Control ici. Donc ouais, y a des Predators ici noirs qui sont peut-être un peu plus stylés. Oh, sympa celle-là aussi. On va prendre celle-là. Voilà, pas de gants, rien. Y a plus petite fille du coup, bébé. Ah, voilà, c'est celle-là. Style coup de pied arrêté. Profonde respiration à la Cristiano. Et penalty, je sais que c'est course courbe, je crois. Moi, je les tire comme ça. Voilà, c'est ça. Sauf que moi, je n'étais pas chassé, mais. Après, chacun son style. Style de course. Oh putain, on va courir comme du chéret. On va courir comme un tank, nous. Un char, voilà, char. Nous, on va courir comme le char. Bah écoutez, on est bon pour ça. Et pour le club, on va bien évidemment pas partir du FC Porto parce qu'on va partir d'un club un peu plus bas de gamme, on va dire. Et vu que j'ai déjà une carrière où on est en France. On va partir de l'Angleterre. Mais on va partir des bas-fonds de l'Angleterre, si tu vois ce que je veux dire. On va partir de la Ligue 1. On va partir de la Ligue 1 pour pas trop baisser. Et on va partir de. Allez, Ipswich Town. J'ai un maillot d'Ipswich Town, donc on va partir d'Ipswich Town. Allez, partons d'Ipswich Town. Difficulté de match pro, durée période 6 minutes, euro devise. Bon, ça c'est bon. Période transfert activée, intransigeance de négociation. Souple. Je m'en fous, de toute façon, c'est moi qui. Et voilà, nous signons à Ipswich Town.
Ipswich Town. C'est un beau club, c'est un beau club. On va le mettre en pro justement. Hop là. Ipswich Town. J'ai un maillot, je dois pouvoir vous le montrer. Si je le retrouve. Bordel dans les maillots. Donc voilà, le maillot d'Ipswich Town. On va le mettre là, derrière nous, pour cette carrière pro. Pour cette carrière pro, on sera là-bas pour le commencement. Alors là, ça, j'ai vu un peu, bah, on va augmenter notre finition déjà, si on peut, genre un truc genre les tirs et tout, penalty, non? Finition. Finition, ce serait bien déjà. Finition, tir de lance, on s'en fout. Vitesse. Ouais, finition aussi, on peut augmenter plus de trucs, non? Puissance de frappe. Et là, il me reste un point qu'on va mettre dans les dribbles. Genre contrôle du ballon. Voilà, il y en a ça aussi. Du coup, on a le choix entre couverture défensive, série de passes D ou défense en fin de match. Donc, on va mettre série de passes D parce que c'est celui qui nous intéresserait le plus, nous, en tant qu'attaquant en pointe de cette équipe d'Ipswich, avec 67 de général, du coup. Normalement, il y a la petite photo où on nous présente. Je voulais faire un imprimé écran, que ça allait être ma mia, mais. Voilà, j'ai fait le imprimé écran, normalement c'est bon. C'est parfait parce que ça me servira de minia pour ce premier épisode où on va de suite aller jouer contre Hull City. On va jouer ce premier match, on est titulaire remplaçant. On est remplaçant, on rentre en MOC. Ah, parce que je crois que du coup, j'ai mis attaquant centre. Du coup, je crois que ouais, je suis athée encore. Ouais, je suis athée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, on va jouer MOC, ça me dérange pas non plus, il nous reste 10 minutes, il y a 1-1. On va voir un peu ce que c'est nos objectifs, parce qu'on a des objectifs de match maintenant. À chaque match, t'as un objectif à remplir sur ce FIFA. En tout cas, sur la carrière pro. Mais après, c'est bien qu'ils améliorent un peu ce secteur aussi du jeu. C'est vrai que le mode carrière est un mode quand même qui est pas mal joué. Et je remplace Céline à le numéro 43. Une note de 7, cadré 2 tirs et un taux de conversion des tirs au moins. Ok, on va essayer. Faut que je cadre deux frappes déjà. Donc on va voir ce que ça va donner avec 10 minutes de jeu. Ah. Putain, c'est vrai que jouer avec un pro aussi lent au début, c'est un peu compliqué. Bon, ben je veux ça. Oui. Oh. Oh, attention, l'accélération. L'accélération. On rentre dans la surface, on va frapper. Oh non, on n'a pas cadré. Putain, on a dit qu'il fallait qu'on cadre nos frappes. Fallait qu'on cadre nos frappes et je frappe à côté, quoi. Ah, nouveau poste, attaquant goal. Oh. Là. Là, mon pote. Tu vois cette récupération-là? L'enroulé. Et le voilà! Le premier but de Kingo Sta Junior à Ipswich Town. La récupération sur le 6 mètres et l'enroulé. Pour remettre Ipswich Town devant Hull City dans ce match. Et ouais, mon pote. Un vrai renard des surfaces, ma gueule. Un vrai renard des surfaces. Tu. Donc voilà, l'objectif, je pense, ça va être essayer de monter en championship.
cette saison avec Ipswich. Pourquoi pas finir meilleur buteur du championnat? Ce serait sympathique. Oh oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas le doubler? Oh la frappe! Dommage, bel arrêt. Par contre, j'ai que 6-6 alors que je donne peut-être le but de la victoire à l'équipe. C'est fou quand même. Frappe un peu de merde pour le coup. Mais non, mais perds pas cette balle, frérot. Tu me la mets 2 heures après, frère. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. C'est le premier match de pré-saison. On joue contre une équipe qui est en D2, je crois. Du coup. Oh, oui. Encore la frappe. Oh, mais c'est pas possible. Ah, la frappe du gauche, hein. Le mauvais pied. C'est un peu compliqué, le mauvais pied, hein. Mais j'ai même pas le taux de conversion là, j'ai même pas les 50% de taux de conversion avec toutes les frappes que j'ai fait là. Du coup là j'aurais plus qu'un objectif, prochain match, je sais même pas si je suis sur le banc. Très clairement. Faudra que je fasse des entraînements et tout. Oh oui. Centre un jour sinon. Je suis grand, je suis 1m88, frérot. Je la mets à la tête, mais. Fin du match, victoire 2 buts à 1. On marque le but de la victoire quand même. Donc un bon point dans ce match. Un bon point dans ce match. On va voir un peu ce qui va se passer. On va voir. Notre première action. On est troisième avec la meilleure note quand même de l'équipe. En soi, c'est pas mal, tu vois. Salernitana qui a battu Grenoble. Ok. J'ai perdu 15 quand même. Note de match. Mais il m'a dit d'avoir 7. J'ai eu 7. Encore en plaçant du coup, mais ça fait chier quoi. Franchement, ça fait chier. On rentre à la 77e, on perd 3-0. Je sais pas si ça va être mes objectifs, retourner le match tout seul, tu dois marquer triplé pour qu'on fasse nul. Ouais, ça va être compliqué, frérot. On va voir le défi que nous a réservé le coach. Oui, il est beau le maillot blanc. Marquer un but en dehors de la surface, adresser une passe décisive. On va essayer sur le objectif amélioré, adresser une passe D, hein, mais. Ça va être chaud, quoi. Et j'obtiens la touche. Allez, la passe D, elle est délivrée. Au moins ça. Alors on l'a attendu le frérot hein, pour faire la passe quand même. Ah, ils m'ont raté ça, je pleurais, hein. Très clairement.
Non, on change de poste, j'ai l'impression. Non, même pas. Pas de changement de poste. À ce qui paraît, hein. Ah, il y a Ribéry qui joue là-bas, c'est vrai. On m'a demandé de marquer un but en dehors de la surface. Dommage. Vas-y, là, récupère ta balle, frère. C'est trop, wesh. Oh là là, on course Ribéry là. On va courser Ribéry. Oh la récupération de balle sur Franck Ribéry. Oh oui, bien joué l'action. Bien joué cette petite passe. Bien joué mon gars. On essaie de rentrer dans la surface. Oh non. J'en ai fait qu'un encore, putain. J'en fais qu'un, je fais que la passe D. Bon, après, c'était celui que j'avais boost, mais. Je sais que finir avec la meilleure note de l'équipe, quoi. Mais je vais encore me faire baiser et je vais finir réserviste, quoi. Mais. Voilà. Ce jeu, wesh. C'est fou. Ce jeu est fou. On s'entraînait sur les frappes dans cette truc d'entraînement. Et après on verra pour le reste, mais 52 de précision coup franc, ça passe mec. Regarde, regarde le 52 de précision coup franc mon pote. Oh. Oh. Gros, j'arrive pas à faire ce que je fais d'habitude. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai 52 justement de précision coup franc et que c'est chaud quoi.
Oh, la parade qui m'a lâché, lui. Oh, la barre! Mais gros, c'est trop. Oh, bah là, je. D'accord. Bah voilà, la lucarne. On l'a trouvée au bout d'un moment. Bon, ça se passe pas trop mal, les coups francs. Passe pas trop mal, pas trop mal. Mes frères. On est bien. Petite panenka pour celui-là. Allez, petite panenka. Je suis capable de la rater, mais. Ça rentre, mais. On était loin de ce qui était de ce qui était prévu quoi, mais est-ce que lui aussi fait des dabs en tirant? Ouais, il met une barre carrément. Mais c'est de viser les cibles, frérot. Ça a pas rentré celui-là? Oh mais ta mère. Frère, mon pro il pue la merde. Hein. Mais gros, il touche pas une cible! Putain, voilà, enfin. Allez frère, il a tiré à tous les endroits où il n'y avait pas de cible, tu sais. Tu vois, même si tu tires pas dans les lucarnes et tout, au moins touche les cibles, cadre! C'est pas possible, voilà. Tant que tu touches les cibles, je m'en balèque. Ouais. Pas toucher une cible hein, sur celle-là non plus. Et celle-là, il va pas toucher de cible non plus. On se voit à B, allez. Bon, au niveau supérieur, 3 points de compétence et tire de loin à tout déverrouiller. Allez, on va mettre ça en place. Alors, on va augmenter notre force, notre endurance. Et on va augmenter notre agilité. Au niveau des atouts, on va changer celui-là en. Tire de loin. On sait jamais, ça peut servir pour un mec qui doit marquer des buts quoi. Pour le club et le pays. Allez, on va faire cette fin de match contre Grenoble et on se laissera là pour ce premier épisode. En tout cas, j'espère que qu'il vous plaira. Allez, on fait rentrer BU. Déjà, c'est déjà mieux. Pour me faire rentrer à mon vrai poste, quoi. Donc bon. Au moins ça, quoi. Je demande pas 36 trucs, hein, mais faites-moi jouer à mon poste. Ce serait déjà pas mal. Ok, le 0 remplace le 0.
Sympa. Dribble 35%, cadré de tir. On va mettre cadré de tir parce que bon, on va encadrer plus que ça, j'espère. Mais je m'en fous de l'entrée d'Edmundson là. Frère, c'était incroyable ce qui venait de se passer. Ça va frapper la barre. Ah, il me tire le maillot, frère. Après, si mon gardien a envie de jouer aussi, hein, tu vois, genre. Au bout d'un moment, frère, l'autre il. Si, frère. J'ai dû demander un dégagement, mais ça n'importe rien parce que personne se bouge pour alors que je dévie le ballon de la tête. Regarde, du pareil. Faut que je demande un dégagement. Ouais, mais bon. Ouais, mauvais appel de balle, frère. Ça me saoule ça des fois, frère. Genre. Moi, je fais que les mauvais choix, tu sais. Alors que bon. Je fais pas un mauvais match en soi. Enfin, je peux pas une mauvaise rentrée, c'est juste que. Vas-y, regardez pas ce qu'on me fait, frère. Frère, ils aiment pas de passe. Va repasser dans la réserve, hein. Ça va être sympa, hein. On va devoir refaire des entraînements pour remonter en équipe première, quoi. Ouais, frère. Tu veux que je fasse quoi? J'aurais dû me faire un chip avec une taille de guêpe. 1m63 pour 30,5 kg. Chip, il va à 8000, tu sais. Par contre, on le touche. Je suis incertain. J'essaie de revenir défendre, de venir aider. Parce que bon, il n'y a pas de solution, donc. C'est moi qui vais être puni parce que j'ai pas de solution. C'est ça qui me saoule, voilà. Putain, mais pourquoi tu me la remets comme ça, putain? Il y a trois types autour de moi, frère. Sérieux, il y a des mecs qui sont débiles, frère. Incroyable. Incroyable, incroyable. On va repasser en réserve. Bon, bah, écoutez, ce premier épisode n'est pas très concluant. Malheureusement. J'aurais essayé les dribbles. C'est pas mal déjà. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. On se retrouve pour le. On se retrouve dans le. Bientôt pour le prochain épisode. Pardon, j'ai du mal. C'était King Costa Junior. Peace.